Et donc là, c'est le qui tranche, c'est comme une hache. Hein, c'est. Donc c'est cette énergie, c'est l'énergie de haut en bas. Mais tu peux pas bien. C'est l'énergie de métal et c'est lié au poumon. Hein, je suis là. Là. Hein, c'est cette énergie. C'est le poumon. Et c'est donc le métal. Comme une hache. Après, vous avez le deuxième, c'est Swan Swan. Donc là, c'est l'eau. Ça s'écrit Z-U-A-N. Swan. Donc U-A-N. Et Swan Swan, donc je suis là. On est sur le mouvement non plus de haut vers le bas, mais on est sur le mouvement de droite à gauche. Hein, c'est comme un fleuve ou une rivière sinueuse qui fait ça. Donc il va partir là. Et on va aller. D'accord, donc on est sur ce mouvement-là. Et là, on va travailler en fait sur les reins. Hein, l'eau, c'est lié aux reins. Et c'est lié donc aux reins côté latéral. Troisième, c'est Pen Chuan. C'est le bois. C'est comme une flèche. It's like an arrow. Donc je suis là. Hein, si on le fait comme ça. Là, et ça va être celui qui transperce. Là, celui d'avant, c'est celui qui vrille. Là, c'est celui qui transperce. So we had like a crushing fist, then a splitting fist, or a pole. Second one, drilling, and third one is qui transperce, piercing. Ok? Donc là, et là. Et à chaque fois, vous avez le travail avec le buste et à chaque fois aussi le dos, hein, comme un arc qui monte et qui envoie. C'est le bois, Pao Chuan. Après, Pao Chuan. Pao Chuan, c'est le feu. Hein, donc le feu, là, c'est lié au cœur. It's the heart. C'est lié au cœur, c'est lié au feu et c'est lié à une énergie, en fait, qui brûle. Qui ouvre, qui ferme. It's opening, closing energy. So, close. That's it. Inspire. Inspire. Et Pao Chuan, c'est Pao, c'est like le canon. It's a cannon fist. Hein, c'est le point de canon. Ça, c'est l'énergie qui ouvre et qui ferme. Et le dernier, c'est Heng Chuan. Heng Chuan, c'est la terre. Hein, c'est lié à la terre. Et là, c'est le coup de poing qui croise, le crossing fist. Hein? Et il est lié au cercle, il est lié à la rate. So it's linked to, how we say in English, like the spleen. Spleen. S-P-L-E-E. Hein? And so it's one, rond, rond. Hein, vous avez la rate qui est là, vous revenez au centre, et là on est sur ces cercles. D'accord? Donc quand vous le travaillez, travaillez-le vraiment d'abord doucement pour sentir le mouvement, pour sentir tout ce qu'on a vu comme petit détail, pour avoir un ressenti. Et petit à petit, sentir un peu comme un qigong. Hein. Celui-là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on le travaille. Hein, si vous le faites pendant 5 minutes, vous sentez que petit à petit, il y a quelque chose qui commence comme ça à circuler. Essayez de bien goûter ça. Et une fois qu'on a commencé à bien le goûter, ok, là, va. Petit à petit, ok, là, je mets l'intention. Yin. Et plus yang. Ah. Yin. Plus yang. Ah. Et petit à petit, yin. Yan, yin, yan. Petit à petit, vous commencez à mettre un peu d'explosion.